à bord de la 90-47. Du 239 sur le 168. Putain, y'a personne. Génial. C'est pas la première fois qu'on fait ça. Hein. C'est quoi le... Alors là, il est complètement délocalisé. Hein. Complètement délocalisé, le 253 qui est derrière, devant moi. Ah, Port de Paris. 86. Ah bah non, il est limité Port de Paris. Puis après, je crois, juste après, il va rentrer au dépôt. Exactement parfait. Enchaînement de feu vert, c'est génial. Oh putain. Putain, c'est phénoménal, il y a personne. Enfin, on s'arrête pas, c'est génial. Où on m'a parlé. Oh,
Alors là, je suis complètement bluffé. Que du feu vert et en plus des passages sans arrêt. Bon, là c'est sûr, il y a un... Là c'est sûr, il y a des personnes là, ici. Là c'est obligé par contre. J'ai raison ou j'ai pas raison? Ah non! Mais toujours pas! Ah là on suit bien, premier. On a enchaîné que du feu vert et en plus. Depuis, on est sans arrêt depuis l'université, enfin, on va dire Toussaint l'ouverture. Depuis Toussaint l'ouverture, on n'a même pas subi une seule arrêt. Alors, le T11 qui passe au fond. Mais je rêve. Suzanne Valadon, il n'y a personne toujours. Putain. Je descends au prochain. Parce que vu qu'il n'y a personne, au moins... Ma destination, Mireille Pierrefitte. Et ben là, par contre, on est délocalisé depuis Guinmer, là, par contre. Là j'ai envie de dire chapeau parce que normalement on devait faire en 12 minutes et là on a fait en 8 minutes. C'est génial. Ah, 478 là-bas. Là. Merci. C'est exceptionnel, hein, j'ai été tout seul pendant tout le trajet. Donc voilà, de Sainte Université à Mairie de Pierrefitte tout seul. Il n'y a eu aucun voyageur depuis. Sur tous les arrêts, il n'y avait personne. Génial. Là, je profite là et je rentre tranquillement. Et bah là, c'est parti. Garde le circuit.
Bon bah voilà. Et là maintenant c'est calme. Donc, il y a presque plus de voitures. Il y a un avion qui fonce à mort là. J'entends bien le gong, hein. C'est demain la pleine lune. Jeudi 2 novembre, c'est la pleine lune.